cette nouvelle vidéo, on va voir une deuxième partie du blues. Donc dans celle-ci, on va voir notre type de blues parce qu'il est un peu particulier, parce qu'il y a des ce que moi j'appelle des slides, si ça s'appelle autrement, vous pouvez le dire dans les commentaires. Ça, on va le faire avec 4 hackers seulement. Donc, on va les voir un par un. Dans un premier temps, on va le faire avec C. Alors, on gratte une fois tout seul. Une fois ici. Ici. Ce qui donne en rythme. Ensuite, on va avoir le F. Donc là, le F ici. Et le riff, on va le faire ici. Ensuite, on va avoir le G. Alors celui-là, ça va être le plus difficile. Donc il faut maintenir G. Et avec le petit doigt, on va venir faire le riff ici. Ce qui n'est pas forcément évident. Le dernier où on n'aura pas de riff, c'est le G7. Ici, ici. Où en fait, on finit notre boucle. Pour s'entraîner, on va d'abord faire C et F avant de passer à la suite. Donc on commence toujours sur l'accord à vide. On fait le slide. Et on finit l'accord ici. Puis on passe au suivant. Et là, on va essayer de les enchaîner que ces deux-là. Ensuite, on va venir ajouter le G. Alors pour ajouter le G, donc en fait, on va d'abord jouer deux fois C, le slide, puis deux fois F avec le slide. Ensuite, on va repartir sur C, là on va jouer qu'une seule fois le slide. Et on passe directement sur G. Alors pour jouer tout ça, on va le jouer dans l'ordre suivant. On va donc jouer d'abord deux fois le C avec le slide. Deux fois le F avec le slide, une fois le C avec le slide, suivi de G une fois, F une fois, et on finit par C une fois et G7.